Karim le marchand. Non, on, bah, du coup, Jaspang va prendre Bayonetta. Dito Bayo. Et ça dit. Oh, venez, on caste pas. Venez, c'est pas nécessaire en vrai. Vous comprenez, on comprend. Venez, juste on regarde. En vrai. C'est pas. Ah, moi je plains ceux qui se sont fait virer du cast pour Adito Bayou. Du cast du setup stream, je veux dire. Ouais, moi aussi. En vrai, les pauvres. Genre. Après, on va peut-être bien manger. J'en sais rien. Je vous avoue que je sais pas si on va si bien manger que ça, les gars. Là. Là, en vrai, c'est un peu. Ouais, voilà quoi. Après, c'est ouais, une game. Ouais. Hein ah, c'est, ce sera peut-être pour une game. Je suis pas sûr, mec. En vrai, on verra, mais je suis pas sûr. Bon, on va quand même se recentrer un tout petit peu. Oui. Il s'agirait de caster un moment. Bayou, Bayou, Bayou. Comment ça, c'est du loser, maintenant? Ah non, effectivement, c'est la winner finale. Putain, le clavier en QWERTY, mais... Winner... Final. Là, ça a changé logiquement. Ça va changer, je crois. T'as cliqué sur update. Oui, c'est bon. Alors, du coup, on est retourné sur le match. Jaspin qui trouve une phase d'avantage intéressante, mais qui tuera pas. On notera qu'il a perdu une stock. Combien ? Il a perdu une stock. Mais on l'a pas vu. On l'a pas vu. Bah, le chat sera. Mais nous, non. Occupé à la riche. Et là, on perd la deuxième stock, du coup. Et là, on perd une troisième stock, du coup. Lead conséquent pour... Venez, on dit que dans le jeu, il y a une phase, elle s'appelle le neutral. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Nani the what? Nani the fuck. Est-ce qu'on a le droit de prononcer fuck en stream? Ouais, mais faut peut-être éviter de le dire 5 fois de suite. Ouais, c'est vrai. Genre, on n'est pas là pour speedrun le ban de Club Pingouin. Tu sais, c'est comme dans les films américains PG-13, ils ont le droit à dire une seule fois le mot. Du coup, là, j'ai dit deux fois, j'ai dépassé la limite. C'est très marrant comme Peggy. Isma, s'il tente pas ces trucs à base de Smash, ça va... Voilà, il va en perdre les mains, je pense. Les bras lui ont fait. Les bras lui ont fait. Après, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que cette game, c'est les deux Bayonetta qui vont mettre leur truc pour essayer de trouver des combos. Et en fonction de ce qu'elles ont essayé de faire, si ça touche, elles vont faire, si ça touche pas, elles vont juste partir. Ça va être un peu ça. Il va beaucoup y avoir des up-B out of shield, ça va être plus que ça. Genre, j'atterris sur ton shield, hop, je up-B en retour. Ah. Le contre qui a été tenté, mais on n'a pas mordu au bait. Ok, on a tenté de rig in roll. Ou peut-être le... Le Bass Cuisine qui ne sert à rien du coup face au... Bah pas face au jab. Pas face au jab, oui, en effet. Un jab qui tue quand même. Ok. Hein. Oh, Don't Squeeze. C'est la DI mix-up, hein. C'est comme ça que ça va. Bah après, il y avait 110% de rage. Tu crois ? Ouais, 110%. Moi, je pense qu'il aurait... Non, mais oui. Mais je pense que s'il aurait DI correctement la Don't Throw, je pense qu'il m'aurait pas. Comment elle se DI, cette Don't Throw ? Bah du coup... Ouais. Ah bah cette fois-ci on part sur un Ditto on Mario. On part sur un Ditto, mais Mario cette fois. Ça, c'est la casquette, le chapeau, les bottes et le film. Ah, c'est la tenue d'ouvrier. Tenue d'ouvrier, c'est... En vrai, tenue d'ouvrier, je pense que c'est un peu top tier. Contre skin de balle. Parce qu'il faut savoir que du coup, dès que tu mets un coup sur sa tête, il prend moins de dégâts. Ah, le mode de fou. Le mode BTP. Est-ce qu'on est dans une dynamique où ils vont full ce Ditto, peu importe la game? Franchement, j'ai envie d'y croire. Ah, ok. Ouais. Bon, en gros... J'allais dire lead, mais en fait, pas du tout. En gros, ils se cherchent à se mettre des combos. Oui, voilà. C'est la classique. Mais là, on est dans l'idée de peut-être tuer. Ça me semble être une take sans risque. Dire qu'ils veulent se tuer. Ouais, en vrai. Je crois même que c'est le but du jeu. Moi je commande pas, juste j'analyse. C'est des analyses poussées, mais des analyses quand même.
la classique de Jazzy, Hot Smash en Reverse. Ok. Le Mario 2, attends, il a fait quoi là? Il a touché un landing upper et après il a wave land sur la plateforme. Enfin, c'était bizarre. Ok. Smooth. Ok, backthrow. Je sais pas quoi dire sur ça. Je crois qu'on a voulu tenter un ledge trump, mais on est descendu trop bas. On n'a pas accroché le ledge. Ok. On l'attrape et la première stock est pour Ismaël. Je crois que la deuxième va bientôt partir. Ah oui? Non? Non. Parce que le nerf. Ah, on a voulu ledge trump à la 4. Ce qui est une bonne option, mais malheureusement ça n'a pas marché. Le bonnet. Ouais. Je sais pas quoi dire. Hein. Honnêtement, ils sont saute, là. Ça saute beaucoup, ça tente des tu les vois tous les deux bouger dans les mêmes timings. Neutral au backer. Ça neutral au backer. Mais non, mais ça neutral à tout. Avec en de fait, temps en temps quelques mix-ups sur deux fous ou boule de fou. Genre, ils jouent. Ils jouent. Ils sont en train de jouer. Ah, ils kiffent. Jusque là. Ouais, on a tenté le F-Smash. Ok. On a atterri dedans avec un nerf et du coup, ça a outrepassé le F-Smash. Ah mais j'ai remarqué un truc marrant, la stock d'Ismaël, elle veut pas partir en fait. Non, elle veut pas. c'est pas le principe. Il a les crampons sur Ligodas, il veut pas partir. Il a les crantés? Oh, monsieur. Monsieur, c'est quand même, tout, non. C'est tout public quand même. Allez, là-bas, ah, quand même, faut merci. Quand même que ça dégage en 200%. Pitié. Non, parce que bientôt il l'a tué à la Upsro en fait. Oh putain. J'ai un liquide improbable. Mais je ne comprends pas trop la Downthrow, parce que à ce moment-là, la Downthrow ça confirme sur grand chose. Bien sûr, non, mais la Downthrow il regardait le désavantage. Hein. Il s'est dit, vas-y, on va voir ce qui se passe. Ah, upper. On était parti pour un bridge. Bien patient, donc du coup la boule de feu qui n'a pas catch le jump qui n'a pas été utilisé en fait. Cette dash attack a touché en savoir spot hein, parce que normalement la dash attack de Mario à ce pourcentage là ça part hein. Normalement. On arrive à mettre upstage mais on ne fera rien du coup de cette edge guard. Ok. On voit quand même que d'un côté on a un Mario qui joue Mario et un Mario qui joue à Smash. C'est très instructif à voir. Hein. Tu te rends compte d'à quel point Mario c'est un perso faut apprendre les trucs quoi. Ouais. Simple à prendre en main mais peut-être compliqué à perfectionner. C'est le cas de beaucoup de persos d'ailleurs. Ouais. Backthrow ça tue. Ok. Là on est en last stock et on a plus l'avance que Ismaël avait avant. Là ça repart. Ok. Upper backer, hein. C'est vraiment les coups qu'on va essayer de chercher en neutral. Uh-huh. Ok, là il trouve le combo, il avance. Bonne DI qui fait que l'autre paire ne pouvait pas connecter. Le combo a été abandonné par Ismaël. Oula, tendu comme situation. On avait une cape qui traînait, mais ça aurait pu être autre chose. Oh le nerf! Bah il est mort. Ouais, il avait grillé le deuxième saut. Nice! Nice. Nice. Ok, on part sur un match qui ressemble à peu près à ce qu'ils auraient dû faire. C'est ça. Ah, et on n'a pas mis les scores à jour. Oui, c'est vrai. 2-0 pour les scores. Hop. Ok, on est good. J'avais promis un travail de qualité, faut qu'on le fasse. Ok, bon, oula. Bah alors on a 2-0. Et on part déjà sur un 0 to death. Non, il s'est rien passé. Non, il s'est rien passé. Là, on commence la game, c'est bien, première phase d'avantage, c'est good. Elle avance. Je refuse d'admettre que cette c'est si tu, si tu fermes les yeux, tu la vois pas. Ça tombe bien, on la voit pas. Regarde, elle est pas là. Attends,
on rigole, mais pour l'instant, ouais. La sauce est appliquée. Seulement 25% de plus sur Bayonetta. On m'a appelé ? Ok. Yes ! Ouais. Ça a l'air un peu compliqué quand même. Ouais, bah en fait c'est surtout que Bayonetta ça peut sauter, ça peut partir tellement vite sur les côtés, tellement haut. Mario il va être obligé un petit peu de courir après pour essayer de l'attraper. Et ça c'est vraiment très très. Et aussitôt qu'il va commit en s'écrasant sur le shield, ça va être Ubi et Top Shield, c'est parti pour combo de Bayonetta, etc. C'est assez frustrant en fait. Parce que du coup t'as l'impression de ne pas pouvoir la toucher alors que elle, elle peut te faire danser la Zumba. Toujours. Ok, là, on a vu venir, on avait la portée, mais ça a pas tué. Le Witch Time qui a failli être létal pour Jazzy. Cette première histoire qu'il va falloir faire partir parce que sinon c'est plus possible en fait. Là, le retard il devient vraiment conséquent. Patate. Backstroke, ouais, backstroke, ça tue pas encore. On tente beaucoup de Witch Time. Expo, bon, ça tuera pas encore parce qu'on est au milieu du stage. Mais normalement la prochaine Expo en bord de magie facile. Ok, Expo. Down en DI mix-up, mais c'est pas passé cette fois. Petit back air. Le flood qui permet un peu de rendre la Rico de Bayou assez hasardeuse et finalement on ne remontera pas. Lavez-vous madame. Ah non, ça c'est gentil. Bon, 172% quand même. Le retard est conséquent. Ouf. On a essayé de virer la dame à coup de Karcher. Je te jure. C'était tendu. On va la débarrasser cette référence là tout de suite. Ça gérait de ranger la table en fait. Vous en avez assez de ces Bayonetta. Non, pitié. Et on rigole, mais là on vient d'assister à. Mais on voit pas la fin de sa stock. Allez, est-ce que ça tue ça? Non, ça ne tue pas! On a essayé de Witch Time sur la Fireball. Ils se disent Bowser? C'est Super Bowser Bros? C'est Bowser. C'est l'infâme Bowser. C'est Bossoir. Ah, le choix entre Bowser et Bossoir. Bon, je pense que ça va, sans regret, je pense, la stock. Non. Ça s'est bien passé. On a fait ce qu'on a pu, on a essayé de wall jump en dessous de PS2. Malheureusement, pas marqué. Ah, c'est dommage. 15% de gratté, allez. Baquet, map, info. 37%, c'est pas cher payé. Encore faut-il aller plus loin. Comme disait Olivier Lune, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Ah, oh, c'est l'enfant Boyer ça. Oui, c'est ça. Ok, c'est cool ça. Ça fait plaisir. Petite référence par-ci par-là. Exactement. Le rapport avec Smash, on sait pas. Après tout, pourquoi pas. Ouh, qu'est-ce qu'il peut avoir ? Quoi ? Un confirme sur le. Ok, il SDI, il SDI, oh, il essaye. Ok, oh. Il a bien SDI, c'est carré. Il a réussi à s'échapper du combo, heureusement, parce que là, ça aurait pu être gravissime. Ah oh, le F-Smash qui a été tenté. Est-ce qu'il y avait pas éventuellement un UB à faire là-dessus pour conclure ce bridge ? Ah ! Si. Non. On s'en éloigne suffisamment. Le ledge front un peu tardif dans le coup, Bayonetta a pu se relever. Il a tenté hein. Ouais. Et le up smash en reverse. Qui tue. Et on prendra cette game du coup. Ouais, vous bah. En vrai bien vu. Ah ouais, t'es rigoureux toi. Il faut. Toi tu veux que le score il soit carré. Exactement. C'est carré. Excellent. Je vous recrute. Merci. Malheureusement vous êtes payé 0 par mois. Oh putain. J'allais dire salaire de départ, je vais toucher 3500. Je vous ai bien vu. Ah c'est ça, le bénévolat, mais on est là plutôt par passion, pas pour l'appât du gain, tu vois. Ouais. Tonen City. C'est toujours une remarque très intéressante de dire que dans passion, la lettre qu'on retrouve le plus, c'est le S. Enfin, les yeux en dollars. Heureusement que t'as fait la barre, parce que si t'avais juste laissé les deux lettres... Je me serais un peu posé des questions. Tu l'aurais pas eu, je me suis dit, fallait que je te donne un coup. Ouais, voilà. Fallait là que je t'aide parce que là c'était plus possible. Ouais, là tu mets pas les barres sur les deux S et c'est fini. Là, c'est juste un mot en fait, ah, là, il est là. Là c'est ban direct. Oh
Quoi? On était vachement... Ah, mais oui. Ça y est, viens de comprendre. Voilà. Oh, merde. Ok. Tiens, mais il est sur le point de mourir. Est-ce que ce serait pas un certain avantage state qui l'aurait tué? Mais Mario, il a des grosses semelles, hein. il décolle pas si facilement qu'on peut. Enfin, bon, le jab, là, ça part. Là, je peux te dire, kill power ou pas kill power, ça dégage. Voilà. Ça suffit. Ça suffit les Ouais, les ouais. F-smash avec le lock. En vrai, c'était une tentative de double. Ouais, mais clean. Bah, en soi, il a pris une certaine avance. Là, il est bientôt en train de la tuer. Mais malheureusement, on prend des pourcents. Oh. On attend patiemment. Voilà, on prend la pause. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on tente les up smash en reverse. Ouais. Mais X-Mel tient bien son shield. Il ne cède pas face à la potion. Mais c'est vrai que là, quand je vois les interactions, je me dis que les deux joueurs ont très très envie de tuer avec leur confirme. Ouais. Confirme qui ne passe plus à ces pourcentages. Et du coup, on assiste à des... Si par confirme t'entends le smash de Mario, ça passera à... Non mais tous les ça c'est pas un confirme. Mais... Non mais par exemple, tu vois, là, la Bayonetta, elle a touché un down tilt. Qu'est-ce qu'elle a tenté de faire tout de suite? Le side B. Bah, il est pas passé, il l'a envoyé dans la stratosphère. Ok. Ça, je trouve ça étonnant que le Witch Time ait si peu duré alors qu'il y a quand même 135% du côté de Mario. C'était un Witch Time de boule de feu. C'était pas un Witch Time de coup, c'était un Witch Time de projectile. Ça dure beaucoup moins longtemps. Ah, la durée dépend de la puissance du coup. Non, pas toujours. Non, non. La durée dépend du nombre de fois que tu l'as fait dans la stock. Mais Witch Time en projectile, ça n'a pas la même durée qu'un coup normal. D'accord, ok. J'apprends un truc. Enfin, je pense. Non, mais c'est vrai, quand tu le dis, là, ça a l'air logique. C'est peut-être bien ça. Parce que franchement, sinon, je vois pas quelle est l'explication. Ouais. Witch Time qui a duré moins d'une demi-seconde. Je demanderais, mais je pense que c'est ça. Parce qu'on n'a pas vu Isma spammer le Witch Time. C'était le premier. Ou le deuxième. Ou le 14ème, on sait pas. Non, mais je sais pas. En tout cas, c'est le premier qui passe. Peut-être que la Dawn's Road tuée. Bon, c'est pas grave, on a réussi à récupérer avec les guns. Ou peut-être que les guns tués. Ça, c'est bien aussi. Des pistolets. Ouais. 9 mm, bam, bam, akimbo. Tellement akimbo qu'elle en a sur les pieds. On joue toujours à Smash, là. Ouais, ouais, c'est toujours Smash Bros. Mario joue okay. Smash et Bayonetta okay. Joue ok. Insérer nom de FPS connu. Était-ce un Dawn's Smash? En vrai, je trouve ça très marrant, c'est flotte dans le neutral. En fait... Run DI, on ne meurt pas encore, on va pousser par contre. Mais non, mais pitié Alors ça, franchement, si la plateforme avait été positionnée autrement, ça aurait coûté tellement cher. Là, c'était parti pour Up Smash, où tu t'envoles... Bah oui. Là-haut, dans le ciel. Tu t'envoles. Ouf. Ok, on part là-dessus. Ah ouais. C'est un casse, toi, blind test, je comprends pas, en fait. Et pourquoi pas les deux, tiens? Non, pitié. Ah, est-ce qu'on va revenir? Bah, oui, on a ouais, il avait son double saut, c'est carré. On a gardé le double saut, c'est cool. Donc, double paire. Ça peut partir, hein. Bon, là on n'a pas la plateforme centrale pour éventuellement commencer un bridge pour Mario. Mais cela dit... Cette game qui est quand même un peu longue, hein. Genre... Ah bah il reste quand même moins de 2 minutes 30. Elle est vite. Bayonetta qui galère vraiment à tuer. Ça on le savait déjà. Ok. Ouh. En vrai c'est ça le truc. C'est Bayonetta, ça prend des méga leads, mais si tu tues pas avec Bayonetta, bah, rapidement ça redevient even. Ouais. Bah là, un confirme up tilt back air. Éventuellement, si on est bord du ledge, il y a jab ou up throw, mais c'est pas grand chose. Après, toi, je sais que tu jouais Bayonetta, donc tu connais pas. Bah, Bayonetta, frérot. Tendu.
de partout. Elle est bizarre, hein. Mais ouais. Non, je serais pas. Mais en fait, ça c'est de la. Le match-up est bien, bien en place, quoi. Et en même temps, bah. Jaspunk, Vio main les deux presque, donc presque. Presque. Donc autant dire. Il y a aussi un Roy que... dans l'affaire. Ça a rien à voir. Un triangle, okay. Un triangle amoureux un peu bizarre. Il y a un Roy, il y a un Ice Climber, il y a beaucoup de choses. Oh. Et c'est parti. Malheureusement, Scamp a dû me laisser. Sa mère l'a appelé. Donc je suis en solo cast à partir de maintenant. Apparemment, j'ai dit un mot qu'il fallait pas. Non, non, c'est pas les j'ai mots fait le problème. Qu'il fallait pas. C'est pas les mots le problème. Comment ça? Oh. Il va falloir nous expliquer, frère. Ah, le malaise. Il y a trop de pression, il y a trop d'enjeux. Ouais. Je sais ouais. Même pas de quoi tu parles en plus. Quand j'ai dit il y avait beaucoup et que t'as fait. Oh. Ah. J'aurais pu faire. Ah. Ok, belle échappée, j'aime beaucoup. Merci. Félicitations. Bref, redevenons un peu sérieux. Est-ce qu'on va prendre une première stock? Ouais. Non, mais attendez. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pas jouer à Smash Bros Ultimate. Pourquoi on est là du coup? Bah, je sais pas mec, peut-être une thérapie par la douleur. Non, honnêtement, c'était très bien vu de la part d'Ismaël, il a su saisir l'occasion quand elle s'est présentée, et elle s'est présentée très très rapidement, donc il a été très réactif. Là, les crampons de Marvin ont servi à des parties dans la stratosphère, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça, stratosphère aide. Le fer qui ne touchera pas la cible, il s'arrête un petit peu avant, et donc du coup, en punition, Justin qui va prendre un petit combo. On est déjà à 119%, donc un lead plutôt costaud pour Ismaël, mais attention, parce que... Ça peut venir vite, voilà, le up smash, effectivement. On a vu à travers le witch tank. Bah, il a vu, il a chargé le up smash, et il s'est dit, en vrai, dans cette situation de Deza, il y a des witch tank qui peuvent partir, alors du coup, il a maintenu, quoi. Est-ce qu'il avait chargé son up smash avant le witch tank? Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il a juste vu s'écraser devant lui avec le witch tank, et du coup, il s'est dit up smash. Ah, peut-être. J'ai peut-être mal regardé l'action. Moi, je pense. T'as raison. En vrai, ouais, il l'a pas chargé, mais il l'a tué super vite pour un smash. Le jab. Non, ça ne tue pas. Par contre, le prochain jab pourrait tuer. Voilà, on a vu la relever au ledge simple, et du coup, on a essayé de punir ça avec un grab. Malheureusement, mauvais timing. Pendant ce temps, on enchaîne les uppers. Ubi, bonne DI. De toute façon, 78%, il y avait peu de chance que ça tue. Surtout qu'on est sur Tonen City, au plafond haut. Plafond très très haut et côté très très serré. Genre c'est un cube en fait. Ouh le up smash. On a lu justement la tech sur place et là du coup c'est la dernière stock d'Ismaël dans ce set. Est-ce qu'on va assister au reverse 3 game? Vous voulez un avis? Bayonetta c'est en même temps terriblement frustrant et en même temps terriblement injuste. Voilà, on va réussir à aller chercher ce Mario Upstage et là du coup c'est la dernière stock pour les deux. 33% de gratté sur Bayonetta. Ok, oh. Ok, ok. Sans la plateforme ça aurait pu partir sur un EP repère faire, hein. On connaît les bails. 60%. Pour l'instant plutôt tranquille, plutôt en avance du côté de Jazzy. On a réussi à sortir du EP avec une bonne game, mais là attention, 100% sur Bayonetta. Un M smash et c'est terminé. Ok. Ledge Trump, heureusement on l'a vu, on s'est relevé assez vite du coup de Bayonetta. Et pour finir, up smash en reverse. Bah bravo. J'ai quelque chose à dire, c'est bravo, félicitations.